Je suis dans une position étrange et embarrassante. Je suis le premier à m'étonner que les industriels ne fassent rien ou si peu pour l'écologie, et dans le même temps, je suis un des plus gros consommateurs au quotidien de leur peinture. Dois-je alors me résoudre à perdre 90% de mes clients qui ne veulent que de la peinture du papier peint, ou dois-je décroître pour aider à mon tour la planète ? Pas tarder à me rendre compte à quel point les industriels et les revendeurs sont muets ou sans vocabulaire lorsqu'il s'agit de parler de sujets sur lesquels ils n'ont rien fait depuis des décennies. Le secteur du bâtiment est certainement l'une des industries les plus polluantes sur la planète, si ce n'est la pire. Malheureusement, celui de la peinture en fait également partie. De l'énergie qu'il faut pour faire tourner des excavatrices dans les mines, de l'énergie nécessaire à faire tourner à plein régime les machines de l'usine, de la chimie des résines, des saturateurs, des vernis, mais pas seulement. Que faire des bouts de peinture, des eaux usées de nettoyage? Qu'en disent les industriels et les revendeurs? Le manque de sensibilisation aux problèmes environnementaux sur l'ensemble de la population doit être une priorité. En réalisant une série de vidéos sur le sujet, je cherche à vous sensibiliser sur la fragilité de l'écosystème tout entier, en vous apportant de véritables solutions faciles à mettre en œuvre, chose qui fait horriblement défaut pour le moment. Si cela peut donner des idées de communication, même à dessein, de la part des GSB, des industriels et tout revendeurs de peinture, eh bien j'aurais réussi mon coup en partie. Mais je suis quelque peu optimiste, car si l'on estime que l'industrie de la peinture est également une branche très lucrative pour certains, on comprend aisément que ça n'est pas de leur côté que nous trouverons des solutions immédiates et durables. La peinture est un produit chimique. Si on pouvait la boire, je pourrais vous dire qu'il n'y a aucun danger, mais on ne peut pas. Certaines nécessitent une aération mécanisée, voire le port de pays spécifique contre le danger d'inhalation. C'est dire si ça n'est pas anodin. Alors on pourrait parler sans fin d'écologie, de gestes, et en se disant « je fais de la peinture une fois tous les 10 ans, je ne pollue certainement pas plus qu'un pro ». Eh bien c'est faux. À travers cette première étude, sur 950 personnes interrogées, 513 personnes avouent réaliser des travaux de décoration au moins tous les 5 ans, et 180 personnes en font tous les ans. Ce chiffre passe à 760 personnes si on prend en compte ceux qui réalisent des travaux avec une régularité de moins de 10 ans. On est donc loin du particulier isolé dans sa campagne et unique consommateur de produits du bâtiment. À présent, multipliez le nombre de cas sur Terre qui achètent tous les 10 ans un fût de peinture minimum, et multipliez le nombre de magasins ou de boutiques internet à travers le monde qui vend de la peinture. Il est facile d'imaginer que ce sont des milliards de litres vendus chaque jour et de façon répandue. Et autant de pollution qui peut en découler, sans épargner un recoin de la France profonde. Mon enquête a commencé ici dans mon bureau, avec mon ordinateur gonflé à bloc au nucléaire. J'ai commencé par envoyer une demande d'interview à peu près toutes les grandes surfaces de bricolage de France. J'ai élargi cette demande auprès d'une partie des entreprises de peinture qui m'avaient, à dessein, accordé leur confiance pour faire des vidéos sur leurs produits. Hormis le plus important du marché, Leroy Merlin, d'aucuns ne m'ont accordé leur confiance et une majorité ne m'a même pas répondu. D'autres entreprises ont eu la politesse de répondre à mon mail, mais lors du deuxième contact exposant en détail le sujet de ma série de vidéos sur l'écologie et la peinture, on a perdu le signal. Même s'il est impossible de connaître le nombre exact de particuliers qui consomment les mêmes produits, il n'est pas difficile de se faire une idée de leur nombre astronomique à la simple vue du chiffre d'affaires des plus gros acteurs du bricolage que sont les GSB.
en déduire que cela représente une incroyable source et maîtrise de déchets chimiques et toxiques, car évidemment qu'une peinture est chimique. Disons une bonne fois pour toutes les idées reçues à propos des peintures dites écologiques. À moins que vous peigniez avec une peinture à la patate ou un badigeon à la chaux, toutes les peintures industrielles sont chimiques et dangereuses pour l'environnement et la santé. Tout cela inclut les solvantés, mais pas seulement, les acryliques et aussi les peintures dites naturelles. D'après une étude que j'ai menée sur ma page communauté YouTube, qui je le répète est composée d'environ 90% de particuliers, plus de 1100 personnes y ont participé. Et cela nous aide à avoir une idée bien concrète de vos habitudes face à l'élimination de vos déchets de peinture. Si on admet que le conduit d'évacuation des WC ne fait pas partie, et à juste titre, d'un moyen écologique de suppression des déchets, alors vous êtes environ 60% de la population à vider vos bouts de nettoyage dans l'évier et le lavabo. Effet hallucinant, près de 14% le font directement dans le jardin. Soit 74% des déchets toxiques et dangereux pour notre santé et celui de l'écosystème est envoyé directement dans l'écosystème lui-même. 814 personnes sur 1100 interrogées. À la vue de ces chiffres, je me garderai bien de faire des réprimandes, tant personne jusqu'à ce jour n'a apporté des solutions faciles à mettre en œuvre pour le particulier. Ma seconde vidéo dévoilera quelques pistes afin de limiter votre impact sur l'environnement et ma dernière apportera une solution concrète pour l'élimination maximisée de vos déchets. Et que font les industriels pendant ce temps ? À un moment donné, j'avais lu une publicité sur HB, sur le comptoir de l'ours, qui disait qu'il récupérerait bientôt les fûts que tu vides, etc. C'en est où, ça ? Non, ils ont arrêté la communication là-dessus. Ils ont arrêté de communiquer, mais est-ce qu'ils le font ? Ils veulent mettre en place une collecte de fûts usagés pour retraiter tout ça en déchetterie. En même temps, ils devaient monter comme ça une promo aussi de fidélité sur leur gamme. Quoi. Mais comment ça fonctionne normalement ? Si je te ramène un fût ? Je me ramène un fût... T'as déjà quelqu'un qui l'a fait ? Non. Parce qu'ils sont pas au courant. Non, mais le programme est pas mis en place vraiment, quoi. C'est pas fait, c'est pas fait. Pourtant, j'avais vu une affiche, c'était un truc PLV, quoi. Enfin, ouais. Ouais, mais pour l'instant, ils sont pas revenus me voir pour ça. Tu pourrais essayer de te renseigner. Oui. Ben oui, c'est important. Il faut absolument maintenant recycler tous ces fûts. Toi, qu'est-ce que tu fais quand t'es chez toi ? T'en fais quoi des bouts de peinture ? Et de continuer toi ton rouleau. En fait, moi, qu'est-ce que je fais ? Je laisse bien sécher, que tout finalement s'évapore. Et puis après, ben ça part poubelle classique. Hein. Ah non, alors après tous les acryles, après ça part à l'évier quoi. Et t'as conscience que tous tes clients ils font pareil quoi. Ah ouais. Des clients, tu sais à peu près combien t'en as toi ? En tout confondu, par an, tu à peu près combien, tu sais pas ? Je dois avoir peut-être 300 clients par mois. Ouais, non, mais le bâtiment, non seulement il est très 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 consommateur d'eau, très polluant. Et également après très polluant derrière, quoi. Que ce soit au niveau seconde œuvre, peinture et décoration, mais aussi le premier œuvre, quoi. Enfin, le gros œuvre. Bon, c'est des mauvaises habitudes et puis c'est contraignant, alors voilà, quoi. Mais il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire et qu'il y a urgence. Quoi. La Terre, elle continuera à tourner, je pense, mais bon, il n'y aura plus personne pour l'avoir tournée. Il faut agir. C'est contre commercial d'en vendre trop pour faire vraiment une belle vente. Et toi, les gens te posent des questions quand ils achètent tes produits ici ? Non. C'est la première des questions, ce sera allô ou wait ? Et puis c'est tout, hein. Jamais on va me parler du recyclage ou du nettoyage. Et toi, t'en parles pas naturellement non plus ? Et ça m'arrive quand même. En étant honnête. Hein, ouais, non, honnêtement, de temps en temps, j'en parle. Je leur dis de laisser, de nettoyer, de laisser finalement évaporer. Donc déjà, ce qu'il faut noter, c'est que la démarche environnementale unique à l'eau est une démarche globale qui est déjà engagée depuis plusieurs années, voire dizaines d'années. Notre site de fabrication est certifié ISO 14001 notamment. Nous préparons d'ailleurs activement la future certification
de notre site de fabrication, mais aussi de nos sites logistiques pour l'ISO 50001 qui correspond en fait au management de l'énergie. Ça va nous permettre de mieux maîtriser nos consommations énergétiques et de mesurer nos impacts, l'idée étant bien évidemment de les réduire. Ce qui est intéressant de noter concernant la certification ISO 14001, c'est la certification de notre laboratoire qui est en fait basée sur une démarche d'éco-conception. Donc ça, c'est assez rare en France d'avoir des laboratoires de recherche et de développement dans le domaine, en tout cas, de la fabrication de peintures qui sont certifiés. Nos premiers principes de formulation sont établis par notre direction qui nous demande de faire en sorte que la totalité des produits qui sortent du laboratoire R&D puissent obtenir un label écologique, qu'il soit l'ENF environnement, ça peut être aussi l'écolabel européen ou alors le label aussi zone verte Excel. Donc ces démarches-là sont en fait des démarches volontaires qui sont vérifiées par des organismes indépendants, ce qui permet d'avoir un jugement du produit à la fois sur les performances environnementales, sur le respect de la santé, mais aussi sur l'aptitude à l'usage, donc les performances techniques, un jugement qui soit totalement impartial et objectif. Ce qui fait que sur le terrain, quand nos produits en fait sont comparés à d'autres produits qui sont eux aussi ENF environnement ou écolabel, on peut avoir une comparaison vraiment objective. L'utilisateur, lui, peut savoir, si vous voulez, qu'il n'y a pas de biais et que ce n'est pas une autodéclaration venant du fabricant. Ces référentiels-là ont quand même des exigences assez poussées, notamment sur les matières premières utilisables dans les peintures, sur des produits notamment, par exemple, qui seraient cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, dangereux pour l'environnement. Il y a souvent de nombreuses interdictions. Il peut y avoir parfois quelques tolérances, mais c'est quand même assez difficile. À ça, en fait, s'ajoutent chez Unicalo des axes R&D qui sont définis par notre direction et qui sont aujourd'hui très actifs autour de la qualité de l'air intérieur, puisqu'on a jugé que la qualité de l'air intérieur avait un impact direct sur la santé, alors déjà dans un premier temps de nos opérateurs de fabrication, mais aussi des applicateurs et puis enfin des personnes qui vont occuper les locaux qui ont été peints avec nos produits. Donc on s'oriente vers des produits dans un premier temps qui sont non émissifs. Et quand je dis non émissif, je ne parle pas seulement de la note que vous pouvez apercevoir sur les fûts A+, A, B, C, donc qui elle est mesurée à 28 jours, mais là, ce qu'on essaye d'avoir, c'est des niveaux d'émissions qui sont très faibles dès le lendemain, c'est-à-dire dès séchage du produit. Nous travaillons aussi sur le côté biosourcé des produits avec notre gamme NAE. Ces produits-là donc ont plutôt vocation à minimiser en fait l'impact carbone à la fois de la fabrication des produits, mais aussi de leur utilisation, puisque l'idée, c'est de séquestrer le carbone déjà existant, et puis d'éviter effectivement d'utiliser des matières premières pétrochimiques. Donc là, on travaille avec des matières premières renouvelables qui vont donc avoir un impact positif, notamment sur tout ce qui est couche d'ozone, gaz à effet de serre, etc. Un autre axe qui peut être aussi très intéressant, c'est tout ce qui est apport des peintures sur le management de l'énergie des bâtiments, à réaliser par exemple des économies d'énergie, notamment pour la partie climatisation l'été. Le cas intéressant à développer ici, c'est celui du numéro 1 de la vente en France au particulier, qui a essayé, contrairement à sa concurrence, et je dois bien l'admettre ici, de faire un effort et à me répondre, et sur le mouvement écologique naissant dans le milieu de la peinture. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du petit guide de la santé des bricoleurs. Non, c'est pas quelque chose qui me parle. C'est un livret édité donc en juillet 2017 par l'ASEF. Je ne sais pas si ça a été distribué dans le tien, mais il est disponible en ligne. Y a-t-il une période où vous ne vendez pas de peinture ou pas trop? On va dire fin octobre, début novembre, selon la météo, jusqu'à février. Bon, il y a quand même une bonne partie où on vend rien. J'ai deux allées qui vivent pas beaucoup pendant 3-4 mois, ce qui va peut-être pas être le cas dans le sud. Ça suit, on va dire, un flux de commerce qui est propre aux vacances et à la météo, c'est-à-dire que tout fonctionne mieux quand il fait plus beau, tout fonctionne mieux quand c'est les vacances. Donc oui, le gros de l'activité, c'est mars jusqu'aux vacances de la Toussaint. Évidemment, un pic en été, forcément. Donc tu me confirmes qu'on peut pas te parler du nombre de litres que vous vendez, hein. C'est une donnée... C'est très compliqué. Les quantités vendues, tu vas avoir du petit testeur au pot de 15 litres. Est-ce que tu en as entendu parler de la collecte des vieux pots de peinture? Alors oui, au mois de septembre, donc avec le groupe PPG, il y a une collecte qui est organisée sur le parking.
Après, il y a quand même des choses que l'on fait toute l'année et que tous les magasins font, c'est le tri. Et quand un client laisse un vieux fond de pot de peinture parce qu'il va le ramener pour acheter de nouveau la même référence, nous, on va les garder et derrière, on a des bacs où on va trier tous ces produits liquides, bombes à aérosol, les cols à carrelage en pâte, enfin tout ce qui a un attrait liquide. Nous, c'est Veolia, pardon. Mais si tu veux, ils mettent à dispo des grands bacs de recyclage, en fait, avec des grands sacs poubelles, et après c'est eux qui emmènent tout ça, et eux ils vont refaire un tri derrière, et ils vont nous facturer tant d'euros pour la peinture glycéro, tant d'euros pour la peinture acrylique, tant d'euros pour le volume en aérosol. Est-ce que tu as une idée de combien ça coûte? Ça chiffre pas mal. Après c'est quelques milliers d'euros par mois. C'est qu'une fois par an, c'est peut-être un peu dommage quand même que ça soit pas plus souvent. Bah après, ce qui avait été proposé donc au national par Madame Joubert, et donc c'est des démarches en cours, c'était de récupérer à l'entrée du magasin, et à partir de la rentrée là, il avait été mis en place avec une société extérieure un bac pour récupérer tout ce qui est rouleaux et pinceaux usagés. Qu'est-ce que tu sais de l'écolabel européen? Est-ce que tu sais comment c'est attribué l'écolabel? Concrètement, non, j'ai jamais creusé. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis arrivé cette année-là et ma première mission, ça a été de virer tous les produits glycéro du rayon. Et je m'en souviens parce qu'on a fait un sacré tri, tous les produits au White Spirit qui ont été enlevés, par exemple. De donner le contenu de ça et tout ce qui doit être respecté, non, j'ai jamais creusé de ce côté-là. C'est comme ça, en fait, dès qu'il y a un changement de normes, un changement de loi notamment. Là, cette année, c'était la loi Egalim avec les concentrés d'antimousse qui ne s'appellent plus comme ça d'ailleurs et qu'on est censé ne plus vendre en promotion ou en zone très visible, par exemple. On nous renvoie le texte avec les règles à respecter et les nouvelles normes et on applique. Est-ce que tu penses que les peintures industrielles que vous vendez en magasin sont dangereuses pour l'environnement? Y compris les peintures dites écologiques, y compris les peintures écolabel. Après, moi, j'ai une vision assez large là-dessus. Que ce soit de la peinture ou autre chose, finalement, tout ce que tu vends a un impact sur l'environnement et est dangereux. Après, à quel degré, à quel niveau? Je ne suis pas expert à ce point-là pour être carré sur la question. Maintenant, c'est sûr qu'un produit algo, on peut quand même penser que ce produit-là, il est... Au niveau de la chaîne de fabrication, il est quand même nettement plus respectueux que ce qui se faisait il y a 10-15 ans. J'avais proposé il y a 3 ans des pots en plastique recyclé pour toute la gamme Luxens, donc c'est-à-dire ce qu'on prend le plus, donc des quantités énormes. Et pouvoir participer à cette thématique-là, une fois qu'on a testé et qu'on a demandé l'avis un peu de tout le monde de ce pot, le plastique recyclé, c'était franchement pas beau. Et la vie des gens, ça a été ça, quoi. C'était pas vendeur et ils achèteraient pas. Donc, je prends l'exemple de Résilience, un produit que tu dois bien connaître. Enfin, l'écolabel, c'était tout frais. Et le roi Merlin, pendant un an, a refusé de rentrer ce produit-là, qui, forcément, par rapport à une peinture en phase aqueuse, puisque c'est une résine époxy, était beaucoup moins respectueux de l'environnement. Mais au bout d'un moment, quand tu as les clients et les collaborateurs qui veulent rentrer ce produit-là parce qu'il y a une demande et parce que les gens le veulent, tu fais quoi? Mettons sur pause deux secondes. J'ai tapé peinture résidence sur Google parce que non, je ne connaissais pas. Mais en fait, c'est résinence, résine colorée. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit vanté par des chaînes de bricolage et notamment Déco, une émission de M6, ou encore Sophie Ferjani qui est présente dans des émissions de Déco très à la mode à la télé française. Alors bien sûr, je le sais par rapport à YouTube, mais ce qu'on oublie très vite, c'est que la télévision reste la première chaîne d'influenceurs mondiale. La façon marketing que les entreprises utilisent pour s'approcher des influenceurs sur YouTube, la plupart du temps, ils proposent de payer l'influenceur afin qu'il fasse une vidéo. D'ailleurs, il l'appelle jamais youtubeur ou vidéaste, il l'appelle toujours influenceur. On peut supposer qu'à la télévision, c'est exactement la même chose et que lorsqu'un produit est mis en avant par une chaîne, d'autant plus une chaîne privée comme M6 est censé l'être, on les paye. On les paye pour vous présenter un produit formidable qui vous facilitera la vie et qui vous apportera une solution. Quand bien même ce produit-là reste une résine et est donc forcément beaucoup moins écologique qu'une peinture classique. Tu vois, donc on s'est retrouvé à rentrer ce produit-là. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'un produit, aujourd'hui, même s'il est très bien, il faut qu'il respecte cette charte. C'est toujours un critère important pour le fournisseur.
C'est-à-dire qu'il va toujours nous dire, et ce produit-là, il respecte au niveau de la santé, il est dans les clous, enfin voilà, c'est... On n'est pas directement sensibilisé. C'est pas quelque chose où... Vous n'avez pas une descente d'information à ce sujet, quoi. Quand on va nous vanter les mérites d'un produit, d'un référencement, on va avoir son pouvoir couvrant, etc., etc., et il va y avoir une ligne sur le côté environnement. Il y a toujours une ligne sur le côté environnement. Après, on a été... C'est pas devenu un peu une mode, justement, l'écologie ? Quelque part, si, mais ça, je te dirais que tu parles avec un client, a quand même beaucoup de clients, et moi le premier, des fois, tu te mélanges. Hein. Il y a un effet de mode, et tout le monde confond le produit sain et le produit respectueux de l'environnement. Ouais. Parce que tu peux avoir un produit naturel qui n'est pas pour ta santé, et à l'inverse, tu vois, ça marche aussi. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on confond un peu tout. Mais tu peux avoir un produit avec la peinture en elle-même qui va être naturelle, mais avec un process de fabrication qui va être complètement mauvais pour l'environnement, avec une chaîne logistique qui, entre deux, n'est pas du tout optimisée. Enfin, tu vois, à un moment donné, on peut aller assez loin. Tu as aussi des gens qui veulent un truc 100% bio, 100% écolo. Et ça les embête pas en sortie de magasin de jeter leur gobelet de café par terre et de monter dans un gros 4x4. À ce propos-là, les clients, est-ce qu'ils vous posent des questions justement sur qu'est-ce que je dois faire de mes bouts de nettoyage, de mes rouleaux souillés ? Non, ça c'est rare. Un livret a donc été édité sur papier pour les points de vente. Il est encore disponible pour le moment en ligne. En début du livret, hormis les glycéraux et autres solvantés, on conseille de privilégier les acryliques qui ont l'écolabel européen ou normes françaises, qui sont sans métaux lourds. Voici une étude scientifique que j'ai pu me procurer. Elle précise que toutes les peintures, de la solvantée à la naturelle, contiennent des substances dangereuses et que dans l'étude des eaux de lavage, 8 substances dangereuses ont un taux de concentration toxique supérieur à la limite autorisée. Alors qu'à l'arrivée du traitement des eaux usées dans la station de traitement témoin révèle les noms des substances dangereuses, la CNIDEP met en lumière 2 substances dangereuses encore présentes à un taux significatif en sortie. Le zinc et le diuron. Ces substances ont des effets sur les organismes aquatiques. Le document se termine en exposant la réglementation d'assainissement en vigueur sur le secteur concerné par l'étude, la région Grand Est. Il conclut par « Tout déchet de peinture est considéré comme déchet dangereux ». Comment peut-on dire que d'un côté, il y a des écolabels qui garantissent normalement que les produits sont plus respectueux de l'environnement, mais que dans le même temps, on préconise de laisser faire le papa et que la maman enceinte ne doit pas être exposée pendant le temps des travaux pour, je cite, « éviter que la femme enceinte et son bébé ne soient exposés à des substances nocives ». En fin de livret, on trouve un petit encart qui dit sans nommer la peinture. Et si on dit aux gens qu'avec l'écolabel il n'y a pas de souci, qu'il y a moins de cauves, voire pas du tout, et que l'on parle après de produits chimiques, vous faites passer la peinture pour non dangereuse. Personne ne comprendra alors qu'il travaille avec un produit chimique. En continuant la lecture de cette courte page, on peut lire... Donc ils savent où les gens nettoient leurs outils. En page de garde, nous pouvons lire que ce document était rédigé par des médecins. Sans chercher à savoir si c'est vrai ou faux, cette annotation donne encore plus de crédit au contenu du document présenté. En fin de livret, on peut lire que plusieurs études ont été menées. J'en vois une sur les produits domestiques et les dangers pour les enfants face aux produits d'entretien, une sur les précautions en bricolage de 2006, protection de bricoleurs pour le site Leroy Merlin, j'imagine ce livret, les nouveaux pictos de 2013, deux sur les pesticides de 2013 et 2014, une sur les parfums d'intérieur, mais rien sur les peintures. J'ai l'impression que Leroy Merlin vogue sur la vague de l'écologie responsable pour vendre des produits écolabels et NF Environnement. Combien coûte un produit écolabel ? Il est temps de comprendre ce qu'est l'écolabel et combien ça coûte réellement. Après lecture de ce document, j'ai voulu en savoir plus sur les écolabels. Alors c'est quoi l'écolabel et comment est-il attribué ? Je dois vous avertir que le système administratif français avec son flot d'acronymes abusifs a quelque peu compliqué la compréhension du système. Il y a deux types de labels écologiques en France, l'écolabel européen et le label NF Environnement, marque et propriété de l'AFNOR. Je veux comprendre comment cet organisme fonctionne pour délivrer un écolabel à un produit chimique comme la peinture. L'écolabel est un label écologique européen utilisable dans tous ses pays membres.
C'est le ministère de l'Environnement qui a confié à l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, l'accompagnement de la politique française en matière de déploiement de l'écolabel et sa délivrance à l'AFNOR, l'Association française de normalisation, qui est aussi responsable de la délivrance des labels NF Environnement. L'ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il a un siège social, un président et un directeur général. Par ces informations, il est facile de comprendre comment est financée l'ADEME. Par nos impôts. L'ADEME fait partie des ODAC, pour organismes divers d'administration centrale, car comme toute entreprise, même publique, elle doit rendre des comptes. Les ODAC sont environ 700 en France, elles font partie d'un ensemble de 1244 agences publiques recensées en France en 2011, comprenant les AAI pour Autorité Administrative Indépendante. L'ADEME emploie quelques 963 fonctionnaires d'État. Son conseil d'administration comprend 8 représentants de l'État, et en 2019, son budget a été de 761 millions d'euros. 761 millions d'euros, mais pour faire quoi ? Eh bien, l'ADEME gère les déchets et travaille sur la prévention, la préservation et le traitement des sols pollués. Elle travaille également sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention et la lutte contre la pollution de l'air, et elle lutte contre les nuisances sonores. Pour appuyer son action, l'ADEME travaille entre autres avec de nombreuses entreprises privées, mais il m'a été impossible de connaître leur nombre, leur nom, leurs fonctions et surtout leurs honoraires. Jusqu'à ce que je tombe par hasard sur ce document depuis le site Leroy Merlin mettant en avant l'ADEME. Est-ce une démarche commerciale ou bénévole ? EPIC, ADEME, AFNOR, ODAC, AAI. On est loin de la compréhension et de la transparence que nécessiterait la gestion d'un budget de 761 millions d'euros. À chaque fois que j'ai tenté de rechercher une définition, une attribution de budget, une clarification sur la nécessité, l'utilité et la fonction de chacune de ces agences, je tombais souvent sur ce genre de phrase. Aussi flou qu'une nappe phréatique souillée par de la peinture. L'AFNOR Certification gère le système de certification NF Environnement, qui définit les règles de gouvernance et les modalités de fonctionnement de la marque NF Environnement. L'AFNOR est une association de loi 1901, reconnue d'utilité publique. L'AFNOR Certification met en place une instance consultative appelée Comité français des écolabels, composée de 4 collèges d'experts, des pros de l'industrie et de la distribution, des membres d'associations de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, de 3 membres représentants des ministères chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation, et enfin, 3 représentants d'organismes techniques, dont un de l'ADEME, un des centres techniques industriels et un représentant du réseau des laboratoires. Impossible de connaître ou de trouver trace des noms des associations de protection de l'environnement participant à cette instance consultative. Obtenir le sigle NF Environnement atteste que vos produits ont un impact réduit sur l'environnement tout au long de leur vie, depuis la fabrication jusqu'à l'élimination des déchets. Différents tests sur les produits certifiés garantissent qu'ils sont très performants tout en étant éco-responsables. Une fois validé, le certificat NF Environnement n'est valable que 3 ans. Marc Ventré est son président. Ayez confiance dès le début, n'hésitez pas à proposer des choses, personne ne vous en voudra, au contraire. Et puis le deuxième point important, c'est les réseaux. Il faut dès le début de sa carrière commencer à créer des réseaux internes et puis élargir progressivement le cercle. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas et qui est très utile après. Jusqu'à la Légion d'honneur, à la boutonnière. C'est la consécration des réseaux finalement ? Non, enfin, ça me paraît un peu marginal, ça. Ouais. Non, les réseaux, c'est important pour la progression, puis de manière générale pour la conduite du business, de connaître D'accord. les gens qui comptent. Il ne faut pas s'intéresser, donc, même si on est passionné de technologie, oui. qu'aux équations. Ah non, bien sûr. D'ailleurs, après, on les oublie complètement, les équations. Le 25 mars 2016, il reçoit la Légion d'honneur des mains de Louis Gallois. Il est membre du conseil de surveillance de Radial. Membre du conseil d'administration d'Ortec, préside l'IESF. Il se distingue dans la filière aéronautique et occupe plusieurs responsabilités au sein du groupe Safran, représentant de la SNECMA. Marc Ventré siège également dans plusieurs conseils d'administration. Il est aussi maire adjoint, chargé du développement économique et de l'emploi de la commune de Vénesse, dans les Hautes-Alpes, et siège en tant que vice-président à l'intercommunalité de Buèges-de-Vauluy. Marc Ventré est également mandataire de 12 autres sociétés. Il évolue principalement à la tête de plusieurs filiales du groupe Safran. Il est également administrateur de SPL Buèges-de-Vauluy Exploitation, entreprise classée de soins par l'INSEE, société publique locale. En faisant des recherches, j'apprends que c'est un centre flambant neuf de balnéothérapie qui devrait ouvrir en juin, créant ainsi une vingtaine d'emplois directs ou induits par une fréquentation plus continue de la station de ski voisine. Il évolue également dans le secteur de l'immobilier et pour finir dans la fabrication des machines d'outils pour le travail des médecins.
métaux. Il est secondé toutefois par Henri Alain Defrété. Il a étudié à Centrale Supélec la bio-ingénierie et l'ingénierie biomédicale, ainsi qu'à l'Université Paris-Dauphine en doctorat de gestion opérationnelle. Il est représentant de l'U2P, Union des entreprises de proximité, et il est aujourd'hui secrétaire général de la Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB. François Pellegrin, vice-président, a étudié à l'école d'architecture UP4 Paris-Conflans. Il est architecte diplômé par le gouvernement, architecte urbaniste, président d'honneur de l'UNSFA, syndicat des architectes, d'Arkinov Association. Il siège au comité des professionnels du plan urbanisme, construction et architectes, la PUCA. Un homme vantant les mérites du béton, principale source de pollution mondiale. Le béton appliqué à la maison individuelle, c'est un peu autre chose, ça se décline dans toutes ses formes. C'est vrai que l'avantage de ce matériau, c'est qu'il y a un artisan à 10 km de chez vous qui saura le mettre en œuvre, donc je pense que c'est déjà un grand atout. Maintenant, par rapport aux objectifs de développement durable, c'est un matériau qui apporte aussi des performances intéressantes, bon, souplesse de mise en œuvre, mais aussi quelque chose qui va être précieux pour le confort thermique d'été, qui est ce que nous appelons l'inertie thermique. Christophe Bonin, trésorier, a étudié à l'École supérieure d'ingénieurs de Poitiers au traitement des eaux, à l'Université de Poitiers en DEA chimie microbiologie de l'eau, à l'École nationale supérieure de chimie de Rennes, doctorat en génie chimique. Il est directeur des achats et approvisionnement de Veolia Eau. Il est président du comité d'orientation stratégique grand cycle de l'eau d'AFNOR et de l'Institut de filtration et des techniques séparatives IFTS Agen. Stéphane Dupré-Latour, Réseau Alliance, a étudié l'école polytechnique et à Mines Paris Tech a passé un diplôme d'ingénieur des corps techniques de l'État, économie et management. Membre de droit du bureau en tant que président du comité des coordinations et de pilotage de la normalisation, la CCPN, représentant de la filière d'électrotechnologique EDDF, dont il est directeur d'innovation avancée et technologie numérique. Gilles Nativel, représentant d'Enedis, diplômé en master de management, diplômé d'ingénieur à École Centrale Paris et Centrale Supélec, en master d'ingénierie électrique et informatique, nouvellement élu au conseil d'administration et nouveau membre de droit du bureau en tant que président du comité du CEF, comité électrotechnique français. Il est chef de mission normalisation, propriété intellectuelle d'Enedis. Voyons maintenant comment une entreprise fabriquant de la peinture peut obtenir un écolabel. Le site de l'ADEME précise aux industriels et entreprises que l'écolabel peut augmenter leur part de marché et leur permettre de devenir plus compétitifs. Des opportunités financières liées à l'écolabel. Pour avoir le Saint Graal, ma peinture devra répondre à des exigences européennes et devra être vendue dans l'espace Schengen. L'espace Schengen est la particularité fédérale des pays de l'Union européenne. Elle fonctionne comme un espace unique en matière de voyage et de transport où le franchissement des frontières intérieures s'effectue librement. Sans passeport, sans contrôle, avec une TVA unifiée et surtout sans impôts. En 2018, la France comptabilisait 484 entreprises titulaires de l'écolabel européen. Les produits doivent répondre aux exigences du référentiel de leur catégorie, construit sur la base d'études scientifiques et sur la consultation des différentes parties prenantes, dont les industriels eux-mêmes. Je précise que ce document était valable jusqu'au 28 mai 2018 et qu'il synthétise un document bien plus complet, rédigé en anglais, que je me suis procuré et sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Voici donc en résumé. Tout d'abord, elle exclut de facto les produits les plus polluants, comme les protections d'imprégnation de bois, à ne pas confondre avec les produits de décoration comme les lasures et les vernis, les peintures bicomposantes, appelées ici peintures durcissables, les peintures carrosserie, les peintures de marquage routier et j'en passe. Mais elle autorise les revêtements de sol, les peintures de sol, hormis les bicomposants, les produits à teinter, peintures, lasures, les revêtements pour maçonnerie, les couches de finition pour métal, les primaires et sous-couches, ça fait une large gamme de produits acceptables. Et puis chose qui commence à être courante lorsque l'on épluche les documents officiels, on fait encore la part belle à l'état du marché, avant même de parler d'écologie. Bon, pour faire court, le marché se porte très bien. Au niveau européen, c'est 17 millions d'euros en 2010. Le marché français représente 2,3 millions d'euros pour 768 000 tonnes de peinture et vernis produits en une année, juste sous l'écolabel européen. Le marché a même connu une croissance en France allant jusqu'à 44% de plus entre 2008 et 2010. C'est l'Allemagne qui, encore une fois, est en tête de la production sous l'écolabel européen. Avec 24% de la production européenne, l'Italie est à 17% alors que la France est à 11%.
trois étapes de vie du produit provoquent des impacts significatifs sur l'environnement. Premièrement, lors de la fabrication, en raison de la consommation d'énergie par les usines, mais également l'utilisation de solvants et de produits dangereux et toxiques. Deuxièmement, l'utilisation par le consommateur, due à l'émission des substances nocives. Troisièmement, la fin de vie du produit, en raison de l'enfouissement des restes de peinture non utilisés. Ainsi, on retient que les produits sous écolabel doivent contenir, je cite, une quantité limitée de substances dangereuses, une faible émission de cauves, tout en gardant, je cite encore une fois, une bonne performance pour son utilisation en intérieur comme en extérieur. Certaines substances connues comme toxiques pour l'environnement ne sont pas autorisées, mais dans le même temps, on tolère d'autres qui le sont tout autant, même si ce sont dans des proportions infimes. Toutefois, le produit doit entrer dans l'une des catégories de produits couvertes par l'écolabel européen. Je pense qu'il est temps de décortiquer ce document qui doit être la Bible et la notice de comment faire de véritables peintures écologiques. Alors c'est un manuel de 156 pages rédigé en anglais. On peut y lire ce que nous avons déjà abordé dans cette vidéo. Les produits exclus et ceux qui peuvent être écolabilisés sont aussi énumérés succinctement. Les qualités écologiques que doivent démontrer les futurs labellisés, à savoir les qualités de réduction des déchets, de réduction d'émissions de solvants et de réduction d'émissions de substances toxiques ou polluantes dans l'eau. Si toutefois l'entreprise qui fabrique et commercialise un produit écologique fait évoluer ses produits, et si par définition son produit nécessite un suivi et des tests continus, il se doit de mettre à jour ces informations auprès de l'organisme, mais il n'est pas nécessaire d'envoyer la documentation sauf cas exceptionnel. Le dépôt de dossier se fait en 5 étapes. Contacter l'organisme compétent, en France c'est l'ADEME, enregistrement de la demande, information et test, soumission des documents nécessaires à la demande et évaluation. L'organisme peut demander une visite du site de production ou de ses fournisseurs, ça n'est pas systématique et c'est traité au cas par cas. Les critères d'évaluation ne sont pas immuables et sont révisés tous les 3-4 ans. La formulation exacte et complète de la peinture créée doit être fournie à l'ADEME lors du dépôt du dossier. L'Union européenne, par vote et création de la réglementation, a imposé aux organismes de facturer des redevances. Tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Certains pays ont même adopté une taxation sur la valeur globale des ventes annuelles de leurs produits écolabilisés, avec une taxation dégressive plus le chiffre d'affaires est élevé. C'est le cas de l'Autriche. Admettons que Dr Peinture a fraîchement créé sa petite PME et veuille vendre à sa peinture labellisée écolabel européen. 600 euros de demande, 600 euros de taxes, 1400 euros d'inspection par jour et 1000 euros de taxes, plus frais de voyage. Si je dois faire une modification sur mon dossier, pareil, on passe en caisse. Alors cherchons à savoir quelles sont les entreprises chimiques qui concourent au marché des produits de peinture élaborés par les usines. En février 2018, je me suis rendu dans une usine de fabrication de peinture. J'ai pu observer et filmer la chaîne de fabrication ainsi que les palettes des produits utilisés pour la fabrication. Sans être chimiste et sans autre but à l'époque que de présenter comment était fabriquée une peinture, j'ai donc fait ma petite visite guidée et j'ai pu ramener des images. Par ailleurs, on m'avait interdit de filmer une partie de l'usine et les recettes des peintures. Oui, mais j'ai quand même filmé. À la volée. Et en regardant à nouveau d'un peu plus près, j'ai pu trouver ce que je cherchais. Je pouvais lire en arrière-plan les marques sur les paquets de substances utilisées dans l'usine, principalement installées en Finlande, Allemagne et aux États-Unis. FP est une société de fabrication de pigments destinés aux peintures et aux revêtements ainsi qu'aux encres d'impression. Elle se vante de supprimer partiellement l'utilisation de dioxyde de titane, diminuant ainsi les coûts de fabrication. C'est une entreprise qui a déclaré un chiffre d'affaires de 23,5 millions d'euros en 2018, mais elle reste très discrète quant à ses fonds, ses dirigeants et son fonctionnement. On sait qu'elle a reçu un label Silver EcoVadis en termes de performance environnementale. Opetimat est une gamme de produits du bâtiment de Vika Ciment. Vika Ciment est une société anonyme française, cotée en bourse, dont les principaux actionnaires sont les familles Merceron-Vika, dégageant un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros. Elle place la famille Merceron-Vika dans les 80 familles les plus riches de France. Les filiales du groupe sont aussi très nombreuses. Omnova Solutions Inc. est une entreprise américaine de produits chimiques. Elle est bien sûr cotée en bourse, elle déclare un chiffre d'affaires de 759 millions de dollars en 2016. Omnova fait partie d'un groupe de 16 filiales qui a été racheté par le groupe anglais Saint-Omer au revenu d'€1,854,475,455 pour l'année 2018. Elle réunit 28 filiales de son côté, créant ainsi le numéro 1 du marché mondial de polymères à queue, Saint-Omer étant également une société cotée en bourse. Siloïd, fabriqué par Grace Davidson, société chimique américaine, au revenu d'1,7 milliard de dollars en 2017. Elle fabrique le siloïd, qui est en fait un produit principalement pharmaceutique, appelé silice synthétique amorphe. Il peut être utilisé en additif dans les peintures et les enduits. C'est un agent de matité, mais il peut être utilisé comme charge de résine époxy.
je lis les restrictions des substances dangereuses qui énumèrent une à une toutes les catégories connues, de cancérogènes, de toxicité aiguë, de toxicité pour l'environnement, pour l'eau, pour l'ozone. Il y a toutefois une liste de dérogations qui m'interpelle, les stabilisateurs et conservateurs, qui permettent de rendre miscible ce qui ne l'est pas, comme l'eau et la graisse, les inhibiteurs de corrosion, destinés à réduire l'exposition d'un contenant, d'une coque ou d'un objet à la corrosion, les tensioactifs à usage général qui facilitent l'application, l'étalement d'un produit, et puis je tombe sur ça, l'alkylphénol éthoxylate, appelé APEO. Note de l'Ineris, ces NPEO, type d'APEO utilisé dans la fabrication des peintures, encres et produits adhésifs, se dégradent dans l'environnement en nonylphénols, qui sont eux reconnus comme perturbateurs endocriniens, autrement classés dans des substances extrêmement préoccupantes. Il y a également les tensioactifs perfluorés, appelés les PFC. Même si on les retrouve dans d'infimes quantités dans notre environnement naturel, comme lors d'une éruption volcanique, ces tensioactifs sont anthropiques, c'est-à-dire qu'ils sont faits par l'homme. Leur persistance dans l'environnement est très importante, il n'existe aucune preuve qu'ils se dégradent naturellement. Ils sont bioaccumulatifs, en d'autres termes, nous les ingérons en ingérant des aliments contaminés. Plusieurs études au Canada et aux États-Unis ont mis en lumière leur présence dans l'organisme de nombreux animaux de la faune locale. Ce taux augmente lorsque l'on analyse la chaîne trophique, la chaîne alimentaire. Un pélican sera plus contaminé que le poisson qu'il mange. Pareil pour un ours blanc qui se nourrit principalement de phoques et d'otaries. L'inhalation et les voies cutanées sont deux sources d'entrée dans l'organisme peu probables. L'évacuation des PEF se fait par voie urinaire. Les traces des PEF se trouvent principalement dans le foie. Une étude menée en 1995 aux États-Unis dans une usine 3M qui exposait ses employés aux PEF n'a pas révélé un taux de décès des anciens employés assez significatif pour dire si les PEF sont une menace pour la santé ou pas. La seule exception concerne le cancer de la vessie. Un employé exposé pendant plusieurs années au PEF a 13 fois plus de chances de mourir d'un cancer de la vessie. Il y a encore là les formaldéhydes, les solvants, les protecteurs, les liants, les résines en tout genre qui pour la plupart sont des cancérogènes avérés, mais que l'écolabel européen tolère dans la composition des produits sous son label. J'écris à Philippe Glorenec de l'Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail, qui a aidé une étude universitaire dans l'élaboration des données que je viens d'analyser sur les PEF, mais il n'a pas pu me répondre car cela n'était pas dans son domaine de compétence. Mais il me conseille en revanche de mettre en lumière les dangers par inhalation des peintures riches en solvants très volatiles et les coves qui les composent. Chose faite dans un document déjà en ligne sur les dangers des coves. Si on ne peut pas faire autrement que d'utiliser certaines substances toxiques et dangereuses, et pour l'environnement et pour notre santé sur le long terme, peut-être qu'il faut revoir le système d'attribution des écolabels, ou sous-estimer leur impact auprès des consommateurs, trahis par une réglementation trop légère en matière d'environnement. Nous savons à qui profite l'industrie de la peinture et comment fonctionnent les écolabels. Nous savons aujourd'hui que les organismes d'accréditation sont malheureusement loin d'avoir la confiance du consommateur. Nous savons que les peintures ainsi que certains produits de décoration du bâtiment écolabilisés et contrôlés, même dans une infime quantité, rejettent directement des substances ou des particules dangereuses pour l'écosystème et in fine de façon bioaccumulative pour notre santé, et indirectement, elles impactent la planète de leur empreinte carbone. Pour résumer, dire qu'une peinture est inoffensive pour l'environnement, c'est comme dire qu'un verre de cidre, ça n'est pas de l'alcool. Ce qui se passe pour l'industrie de la peinture est malheureusement loin d'être un cas isolé. Chaque secteur de l'économie mondiale laisse son empreinte anthropique sur la planète. Nous ne pouvons pas stopper l'industrialisation qui, par ailleurs, est aussi essentielle à la vie. Nous devons la réduire intelligemment, collectivement, et le faire le plus vite possible. Aux conditions de pouvoir les discerner avant et de ne pas être trompés par les industriels, nous devons consommer différemment, consommer moins, et supprimer nos mauvaises habitudes dans tous les domaines. Nous avons besoin de vérité et serons prêts à accepter tous les changements pourvu qu'on ne dédramatise pas à outrance pour le bénéfice du plus petit nombre, et pourvu qu'on nous apporte des solutions sans que l'argent ne soit le carburant de nos idées. Afin de contribuer modestement à la tâche, une seconde vidéo complète celle-ci. Elle illustre des méthodes simples, des gestes et des astuces pour tous les peintres. Je n'avais pas les connaissances en chimie, en écologie, en biologie, en économie, en géologie ou en sciences humaines pour les faire, je les ai toujours pas d'ailleurs. Je ne me considère absolument pas comme un expert. Je ne sais pas s'il y a une autre forme de vie dans cet univers ou dans celui le plus éloigné de notre galaxie. Notre planète est peut-être notre seul canot. Mais je sais qu'ici et maintenant, il y a des millions d'autres espèces vivantes que nous devons protéger de nous-mêmes.
Wow.